comment ça va? Franchement, ça fait plaisir de retrouver des ailiers de poche qui ont un format différent des déménageurs qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années. La fusion entre une pile Duracell et une balle rebondissante qui a été biberonnée au Red Bull. Bien sûr, tu vois très bien de qui je parle, de Gavin Villiers, le pitbull de compétition modèle à deux pattes. On va s'intéresser à l'homme, au joueur, et comment est-ce qu'il a conquis très rapidement nos cœurs sur les terrains de top 14 et en équipe de France. Gavin Villiers, c'est un sacré joueur. Et pour comprendre le joueur, à mon avis, il faut aussi s'intéresser à l'homme et à son passé. Mais avant de commencer, je t'encourage à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas le cas, et c'est parti, je t'embarque, on va découvrir Gavin Villiers. Gavin Villiers, il est né le 13 décembre 1995 à Vire dans le Calvados. Il fait pas partie des mecs qui ont été biberonnés au rugby dès leur plus tendre enfance. Avant de rejoindre le pré, il est passé par le tennis, la boxe et le karaté. Et donc c'est un touche-à-tout. C'est un mec, c'est un sportif avant d'être un rugbyman. Et moi je pense que c'est une très bonne chose de toucher à plusieurs sports puisqu'on va développer des motricités qui vont être différentes. Et il arrive au rugby club du Bocage Virois où il restera jusqu'en 2013. A priori, c'est assez flou son passé mais il passe plusieurs sélections pour intégrer des clubs professionnels. Et il ne sera pris dans aucune des sélections. Et donc à 17 ans ou 16 ans, il se retrouve sans club. Et c'est là où il y a un club, Rouen, qui entend parler de lui et qui va le recruter sur le tas en entendant dire que en sélection, il y a un jeune qui est bon, mais qui n'a pas été pris dans les clubs professionnels. Attention, Rouen en 2013, c'est pas du tout le club que tu connais aujourd'hui qui est en Pro D2. C'est pas du tout la même structure. Rouen, ça a été un club qui a été en Fédéral 1 pendant de longues années. Et à un moment, ils se sont fait épingler par la DNACG. La DNACG, c'est le gendarme financier du rugby. Il y a beaucoup d'associations et de structures semi-professionnelles, voire des SASP pro, qui vont recruter beaucoup de joueurs, qui vont devoir payer beaucoup de joueurs, mais qui le font avec un découvert. Et au bout d'un moment, quand tu n'es pas capable d'avoir les recettes pour entretenir ton club, bah, la DNACG, elle t'épingle, elle te dit merci, tu vas redescendre. Et donc Rouen, on a le club qui a fermé. Il me semble que l'asso du coup croulait sous les dettes et ils ont fermé le club pour ouvrir une autre association qui s'appelle le Stade Rouennais, l'équipe que tu connais maintenant. Et ils vont remonter rapidement en Fédéral 2, puis en Fédéral 1. Il va jouer de 2013 à 2016 pour les juniors, puis à partir de 2017, il va commencer à jouer avec la Fédéral 1 en pro de Rouen. Ce qui est intéressant et qui devrait servir à tous les jeunes joueurs et joueuses de rugby, en fait, c'est de montrer que pour Gavin Villiers, il n'y a que le travail qui a payé. Il n'a pas eu de passe droit. C'est son travail qui l'a permis d'atteindre le niveau auquel il est actuellement. Il est passé à travers la plupart des étapes de sélection chez les jeunes et il me semble même qu'il n'a pas une sélection en France U20, U17 ou U18. D'un côté, c'est peut-être une époque que tu as déjà oubliée ou que tu n'as pas connue. Une des priorités à l'époque pour la sélection des jeunes était les caractéristiques physiques. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait des pôles espoirs, il y en avait 8 en France, et qui te prenaient de la seconde à la terminale pour t'accompagner sur un projet professionnel et rugbystique, et qui étaient générés par la fédération. Donc tu prenais les meilleurs joueurs de la région ou des régions aux alentours pour les regrouper à un seul endroit où tu allais bosser, et l'objectif c'était d'alimenter les équipes de France jeunes. Et bien pour rentrer dans ces pôles, il y avait des critères, et notamment pendant un moment il y avait des critères physiques, c'est-à-dire que si à 14 ans en 3ème tu ne mesurais pas 1m80 pour 75 kg, tu n'avais pas le profil adéquat et le morphotype pour jouer au centre et donc on ne te prenait pas en pôle espoir. Donc si tu faisais 65 kg mais que tu étais très fort, tu n'avais pas de la possibilité de rentrer en pôle espoir. Ça vient du fait que on considérait en France qu'on avait un déficit physique par rapport aux autres nations, et avec ces défenses qui devenaient de plus en plus hermétiques, on essayait de s'adapter, et on s'adaptait pas forcément à trouver des solutions pour les contourner mais plutôt pour les fracasser. Et donc on cherchait des franchisseurs, des fracasseurs, des casseurs de ligne. Ça veut dire que pour les formats de poche comme Gavin Villiers, c'était pas forcément évident d'éclore. Enfin, format de poche, il mesure 1m80 pour 88 kg, c'est pas risible non plus. Eh bien, il est passé par la fédérale à Rouen. En même temps, il a un profil 7 et il va tourner, il me semble, sur le circuit mondial de 2016 à 2019. Et quant à un ovni en fédéral, évidemment, tout le monde l'apprend parce que tous les clubs cherchent à recruter la petite pépite à côté que personne n'a vu. Et donc, quand tu traverses le terrain en fédéral, c'est plus facile derrière de te faire recruter par un club pro. Et c'est ce qui va arriver à Gavin Villiers, c'est qu'il est recruté par Toulon en 2019. À son arrivée sur la rade, en top 14, il va jouer que 9 matchs dans la saison, dont 4 en challenge européen. Et puis la saison suivante, c'est parti. Il va disputer 16 matchs et foutre 7 essais avec Toulon. Bam! Et c'est à cette époque-là que je l'ai découvert avec Toulon, une petite pile électrique sur le terrain. En octobre 2020, il y a Mathieu Jalibert qui est forfait pour la Coupe d'automne des Nations. Et c'est là où Galtier fait un choix intéressant, c'est que plutôt que de prendre un ouvreur pour remplacer Mathieu Jalibert, il va décider de convoquer Gavin Villiers. Et donc Gavin va honorer ses deux premières sélections pendant la Coupe d'automne des Nations en remplaçant un ouvreur. Et il fait des bonnes prestations sur ses matchs,
mais à ce moment-là, on s'imagine pas qu'il est en mesure de bousculer la hiérarchie qui a été établie par Fabien Galthié au poste d'ailier. À cette époque-là, je sais pas si tu te souviens, mais il y a trois ailiers, t'as Damien Penaud, tu as Vincent Rathez et tu as Teddy Thomas. Et je pense que le moment où il a gagné la place dans nos cœurs, sur cette fameuse tournée en Australie, sur trois test matchs, on joue contre l'Australie, tout le monde se dit ouais, c'est une équipe de France bis, on a l'habitude des tournées, on prend des pilules à chaque fois, et pouf, on gagne un match sur les trois, et les deux qu'on perd, attention, on les perd dans les dernières minutes sur des fautes de gestion, dont un. Et là, sur son premier match, il va planter deux essais. Sur la saison 2021-2022, c'est devenu un leader à Toulon et un leader en équipe de France. Il va participer à la victoire historique contre les Blacks sur la tournée d'automne, puis derrière sur le grand chelem qu'on n'avait pas fait depuis 12 ans. Les qualités de Gamin Villière. C'est un profil d'ailier que j'adore avec cette capacité qu'il a à rebondir partout. Comme je le dis souvent, pour connaître le poste d'un joueur, il faut savoir ce qu'on attend exactement du poste en lui-même. Et pour savoir ce qu'on attend du poste en lui-même, on cherche généralement deux qualités primaires. Tu prends l'exemple d'un talon, tu attends deux choses du talon. Qu'est-ce que ça va être? Lancer en touche et talonner en mêlée. Tout simplement puisque c'est les actions pour lesquelles tu as une spécificité sur le terrain. Si tu t'envoies que des saucisses et que tu gagnes aucune touche, c'est pas bon pour toi. Si tu n'es pas capable de talonner proprement ta balle en mêlée, ce n'est pas possible non plus. Attention, il n'y a pas que ces deux qualités. Derrière, il va y avoir des qualités secondaires. Un talon, tu vas lui demander par exemple d'être explosif, d'avoir une capacité de conteste et de grattage sur les ballons au sol qui va être importante. Une mobilité. Mais les deux principales qualités, ça va être lancer droit et lancer en touche et talonner en mêlée. Tu juges un talon prioritairement sur ses qualités. Et bien pour les ailiers, c'est exactement la même chose. C'est duel aérien et vitesse. Vitesse pour marquer, se déplacer rapidement sur le terrain et réussir à générer de l'avancée, ça paraît évident. Et le duel aérien parce que le jeu au pied est maintenant prépondérant dans ta gestion stratégique et tactique des matchs et il faut être capable, quand tu vas avoir des ballons de pression, d'aller chercher ces ballons hauts pour pas perdre la possession de la balle ou pour regagner la possession de la balle. Et les ailiers qui sont plus petits, ils ont tendance à être plus souvent attaqués au pied. Tu le vois avec Cheslin Kolbe par exemple, qui est régulièrement testé au pied. Normal, t'as un ailier qui va faire 1m75, 1m80, tu le mets face à un ailier qui fait 1m95, et bah tu te dis que sur le jump, l'ailier de 1m95 est capable d'aller chercher le ballon plus haut. Gabin, pour moi, il possède ces deux qualités, même si le duel aérien, c'est pas l'aspect sur lequel tu vas le plus le voir. Et paradoxalement, même si c'est ces deux qualités qui sont prioritaires pour les ailiers, pour moi, en fait, il y en a d'autres qui me semblent plus importantes pour Gabin, sur lesquelles je le trouve ultra efficace. La première, c'est son explosivité. Il a cette capacité à rebondir au contact et à repartir très rapidement. Imaginez-vous dans un chaos total avec des joueurs qui arrivent de partout, etc. Il arrive, il percute un joueur et là les deux reculent. Sauf que le temps que l'autre remette sa reprise d'appui, lui il l'a déjà remis et il recherche déjà une solution pour pouvoir soit faire une passe ou soit régénérer de l'avancée et attaquer un intervalle très rapidement. La seconde qualité à mes yeux, c'est son plaquage. Bien sûr, il a cette volonté de faire reculer comme tous les joueurs pro ont, mais en même temps il est petit et quand il vient t'attaquer aux jambes, il te fait tomber immédiatement. Et ça amène à la troisième qualité qui pour moi est en relation avec la précédente, c'est son rage, c'est son retour au jeu, c'est combien de temps il va mettre pour se relever et effectuer une seconde action, se replacer, contre-requer ou contester le ballon. Il a cette faculté dès qu'il plaque à se remettre rapidement, à se rendre rapidement disponible pour pouvoir être utile dans le jeu. Et la dernière qualité pour moi, c'est cette capacité qu'il a à venir contester les ballons. Et celle-là, c'est la plus paradoxale. On essaye régulièrement, même généralement dans le rugby professionnel ou dans le rugby amateur, de laisser tes ailiers disponibles. Si on peut éviter que l'ailier se consomme sur une phase de plaquage ou une phase de combat, tu le laisses disponible de manière à pouvoir reculer et couvrir le terrain, assurer cette bascule et cette couverture du champ profond. Et Gabin Villière, il a une telle appétence pour ces phases de combat qu'on a presque l'impression que c'est accepté par le staff et surtout que c'est voulu qu'ils viennent contester ces ballons et que ça soit d'autres joueurs qui prennent la couverture à sa place. Et ça paraît quasiment normal, c'est-à-dire que si t'as de l'appétence pour un secteur de jeu qui n'est pas forcément le tien, mais que tu es très efficace là-dedans, quand tu vois la capacité qu'il a à contester des ballons, et ben vas-y mon pote, en fait, conteste les ballons, on va essayer de s'adapter, ça fait partie de tes qualités, ça fait partie du profil du joueur, on va exploiter au mieux tes qualités. L'objectif, c'est qu'un joueur il puisse s'épanouir sur le terrain. S'il y a des choses qu'il aime faire, sur lequel il est bon, il faut l'encourager dans cette voie. Mais ça veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions à côté. Et je pense qu'on peut expliquer cette capacité qu'il a à contester les ballons par deux choses. La première, elle est évidente, c'est que quand tu es passé par le sol et que tu as cette capacité à te remettre rapidement sur tes appuis pour contester, évidemment, tu gagnes du temps et tu as potentiellement un temps d'avance sur le soutien offensif. Et la seconde chose, c'est son centre de gravité qui est bas, c'est-à-dire que il est peut-être plus petit que d'autres joueurs, mais du coup, quand il se met en position pour contester un ballon, tu es obligé de passer sous lui, c'est-à-dire que si le mec il est en train de contester le ballon, tu peux pas venir l'impacter ici pour le bouger parce que ça va être un geste dangereux. Tu n'as pas le droit de venir plonger sur le dos de quelqu'un pour le sortir. Ça veut dire que tu vas être obligé de passer en dessous de lui. Si tu essayes de passer en dessous de lui, eh ben bon courage parce que vu qu'il est petit et qu'il a un centre de gravité très bas, il va falloir que toi tu sois plus bas sans perdre
tes appuis. Et la dernière qualité que j'adore chez lui, et ça c'est que du bonus, c'est cette capacité qu'il a à ne rien lâcher. Il a un mental de chien de la casse, on a l'impression qu'il dégage une aura sur le terrain et que tous les joueurs le suivent, c'est-à-dire qu'il est capable d'entraîner tout le monde avec sa mentalité. Et à mon avis, cette capacité qu'il a de ne rien lâcher, c'est aussi en partie dû à son passé, c'est-à-dire qu'il est dû passer par toutes les étapes où on lui a refusé en club pro chez les jeunes et qu'il a dû se construire son mental tout seul en se disant je vais y arriver. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Dis-moi si tu penses qu'il a une chance d'être dans les 33 pour la Coupe du Monde dans les commentaires, ça m'intéresse. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Un gros merci, un gros big up à tous ceux qui me soutiennent et à Mathieu, celui qui s'occupe de monter les vidéos. N'hésitez pas à le contacter. Et topette l'ami.